Sous Alter Radio, l'IFE, c'est eux. Bonjour, ici Malou Beauvoir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. La plateforme Alter Presse, Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Presse, depuis 2001, pionnière de l'information en ligne. Alter Radio, depuis 2015, pionnière de l'information web radio en ligne. Alterpresse.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. Plateforme Alter Presse, Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Presse, Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Pour demain, ka belle. Oui, fok demain, belle. Pour demain ka belle, c'est une émission sous développement durable dans Alter Radio. Ah, développement durable, ça veut dire nous allons parler d'une série de questions tant coup environnement, agriculture, agroécologie, changement climatique et puis façon monde doit vivre. Exactement, c'est pas d'aide mais non mais à groupe média alternatif qui portait émission ça pour nous. Pour demain ka belle, c'est depuis jeudi ah oui pour nous travailler pour nous. Émission pour demain ka belle passe chaque vendredi matin à 7h sur antenne Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Belle salutation pour nous toutes amis auditrices, auditeurs Alter Radio, salutation pour nous toutes qui remet et parler d'un série de causes qui concernaient environnement, agriculture, développement durable. Eh bien nous bien contents de ce que nous branchés le arrivé pour nous t'aider à l'émission pour demain ka belle. Nous saluons Mackenzie qui est ensemble avec nous et puis Étienne nous parle jeudi. Nous souhaitons lui en forme. Pour demain ka belle. Belle. Jeudi, nous avons pile plaisir pour nous parler avec une jeune femme qui a fait agriculture et qui est un leader paysan non seulement dans le pays d'Haïti, mais tout dans la zone. L'Irélé Islanda. Michelin Aduel, c'est même tête collective pays haïtien. C'est avec lui nous allons parler d'un sujet spécial et qui concernait affaire commerce dans le monde avec question la manger et souveraineté alimentaire, manger pour peuple manger. Nous fait causement ça parce que nous ouais organisation li membre là dedans via Campesina, tête collée affiliée via Campesina. Yo te écrit une lettre by CNUSED dans mois de juillet. CNUSED c'est organisme Nations Unies qui occupé de questions commerce avec développement. Côté t'a dit l'attention orientation à prendre avec question commerce là a touyé la manger pour monde sur la terre. C'est avec Islanda nous pour le faire émission ça jodi a. Nous souhaitons nous bonne participation. Foc de mai, belle. Alter Radio. Pour de mai, ka belle. Une autre fois encore, nous saluons, nous avons salué toutes jeunes filles ou garçons qui toujours kembe agriculture à diam. Nous connaissons l'agriculture dans le pays d'Haïti, pas bien en pile, c'est difficile, mais nous avons des jeunes qui ont fait effort pour toujours être là-dedans, tant qu'Islanda. Et nous connaissons des jeunes tout dans le jour de Sayo et qui retournent la caillou parce que pour tout pas ça bon et qui retournent dans la terre. Et il y a des côtés qui ont entré, commencé le travail, qui ont joint des résultats. Islanda, Michelin, Aduel, qui a présenté tête li et puis qui a parlé nous de jeunes et puis de sujet ça. C'est NUSED. Oui, bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour auditeurs, auditrices qui écoutent l'émission ça.
Et c'est un plaisir pour me participer avec nous. Moi, c'est Islanda Micheline Adjel. Moi, c'est membre du collectif paysan haïtien. Le collectif paysan haïtien, c'est une organisation paysan qui est dans tous les départements paysans à travers 83 communes. Et moi, c'est coordonnatrice jeune au niveau national. En plus, moi, représenter jeunes pour continent Amérique là, dans le CCI, qui est le comité coordination internationale La Via Campesina. Alors, La Via Campesina, c'est un institut paysan international qui dans 81 pays avec environ 200 millions de membres. Donc, c'est un plaisir de participer avec nous dans la cause ici, là, jeudi. C'est une forme Total Capital qui est avec nous. Nous comptons ça en pile Islanda, surtout là, nous tendez une voix femme. Parce que parler de paysans d'abord, et très souvent, nous, ce n'est pas jeunes. C'est monde qui ont des gens âgés qui ont cet âge. Et puis, deuxièmement, c'est pas mesdames, très, très souvent, qui prennent la parole dans les affaires paysans. Ou même, au fond, différence. Alors, ça se passe, c'est parce que moi, je suis une maman, en organisation, hein, jusqu'à présent, qui se dirige en organisation dans la commune Plaisance, Plaisance du Nord. Moi, qu'a dit, c'est un héritage. Et par rapport à ça, peut-être que les représenter comme patrimoine. Moi, je suis une maman, donc, je continue à faire la relève. La relève assurée, c'est ça que fait. Et moi, je prends plaisir, moi, dans le bien, que mon organisation depuis un petit 4-4 jours, je n'ai jamais dit. Donc, parce que parler de cause des paysans, parler de bataille pour les gens qui excluent dans le milieu rural, je pense que c'est fondamental pour les gens qui ont l'importance de nous jouer dans le pays en général, dans le monde, dans tout. Ou c'est un responsable jeune, paysanne, paysan, et en Haïti, mais tout pour toute Amérique latine, à Caraïbes, son gros poste, dans Via Campesina. Comment ouais jeunes yo toujours kembe agriculture parce que dit son secteur côté jeunes yo a quitté yo plutôt besoin la ville ou bien pour yo aller faire l'autre bagaille en Haïti nous en pile jeunes à faire moto mais question agriculture yo dit ça pas intéresser jeunes yo encore est-ce que c'est vrai Islanda? Alors faut que nous dit c'est pas en l'oreille calée non qui fait jeunes yo quitter milieu paysan pour venir rester la ville ou bien pour migrer. C'est surtout par rapport à l'exode rural. Là, depuis 1915, l'occupation américaine, et nous jouons ça, parce que nous connaissons l'époque, ça, et paysans ont quitté milieu, puis ont été allés dans le bateau, soit Cuba, soit République dominicaine. Et je dis, et jeunes, jouons ça dans le pays, et qui fait qu'on y a là, ils vendent toute terre. Nous avons déjà conjoint parents. Et quand vous avez une terre qui vient travailler dans la factory, dans la zone franche industrielle, et dans la zone franche touristique, pour tout ça seulement. Mais je veux dire, la jeunesse de mon pays, par rapport à la migration forcée, ils ont imposé nous, hein, qui fait à tout prix, il faut que nous quittions le pays, hein, parce que là, il est invivable, la terre pas baille, il faut que nous quittions le pays, hein, même si ils ont vendu nos terres que nous gagnons, ils ont allé travailler, terre. Soit la République dominicaine, Chili, Brésil, de l'autre côté, mais c'est forcé ou forcé et schéma, ça, mode d'organisation, ça. Mais ou même, ou c'est un leader et jeune, paysan, paysanne, et qui s'en fait dans ce ça? Est-ce que quand même, ou est-ce qu'il y a des jeunes et qui toujours intéressé à la terre. Gen moun ki di tout nan situation n'ap viv la côté moun ki jeune ki devin nan la ville tan kou Port-au-Prince a kouri pou retourner en province, gen ta gen tendance pou retourner nan terre. Est-ce observé ça? Oui, nous même pa côté pa nan organisation, hein. Nous accentuer nan moun a fait plein de wae pour nous voir comment pour jeunes paysans yo rete nan milieu paysan. Ouais, c'est une bataille. Et qui pas facile parce que on dans organisation même aujourd'hui nous carréni à 10 demain nous carréni à 15 à 20 après ça ouais c'est 5 ouais c'est 6 et le pire les jeunes ont déplacé gon malaise puis autour que a déplacé et ça a un gros impact ça casse rien et structure et toute structure dans pays là mais nous même ça casse rien nous plus parce que là nous considérer qui ça et la terre qui ça agriculture les dit comme moteur économique dans pays là c'est vrai. Son gros combat, mais chaque jour, à travers cette collègue qui garde comment, non seulement ça de formation politique et idéologique, qui c'est un outil, un premier morceau qui doit permettre, nous connaître qui ça nous y est, qui ça nous doit être là,
parce que c'est pas solution, c'est pas vendre terre aller travailler l'autre côté, mais comment nous ca exploiter, explorer terre pour faire plus bagaille. Donc c'est vrai à côté pas nous, son combat qui en pile et bon côté pas tête collée, chaque jour qui joue dans fait plaidoyer ça dans pas organisation pour nous comment et si ma jeune qui conscient, doit comme ma jeune qui conscient qui doit résister par rapport à tout projet, toute belle parole qui gagne là pour faire nous quitter espace. Nous t'a souhaité réussir Islanda et nous encourager. Mais quand nous allons commencer à parler de thème nous et journée jeudi, mais qui gagne rapport oui avec Sanab Dila que jeune yo quitter tel akayo yo quitter pays yo très souvent yo traverser allant l'autre pays. Il y a des pour travailler dans des gros plantations alors que bon la caillou bon c'est petit mouchoir terre au gagner et au pas gagner toute infrastructure et irrigation etc., un bon accompagnement technique que ca joindre de l'autre côté. Alors nous te voulons faire causement jodi hein, parce que nous gagner et agence dans Nations Unies qui occupé de questions commerce avec développement c'est NUCED. Et nous, ouais, via Campesina, où c'est membre, dans le mois de juillet, qui te voyons l'aide bayo, et qui mandé yo pour vraiment se nucède là, pour lui casser tête tourner dans route côté lia, parce que route côté lia, dans affaires commerce, c'est craser la craser souveraineté alimentaire, c'est pas pour ça organisation a été créée, et dans ce ça, et via Campesina mandé CNUCED faut calibrer brasser quatre là pour nos affaires commerce international, ces affaires manger pour monde manger, souveraineté alimentaire droit grand monde pays yo pour je la manger qui c'est lui même qui doit guider organisation mondiale ça qui pour tout pays qui pas pour groupe monde comme même on dans et via Campesina me supposer tout bail se discuter ensemble avec nous faut-il parler nous non de lettre ça qui est une sorte de pétition nous ouais via Campesina te voué by CNUCED dans mois de mi-temps mois de juillet. Alors et nous même dans la via Campesina effectivement nous pouvons voir pétition dans Nations Unies parce que tout ça qui vient pour avec problème droit mounio en général ni concerné et la via Campesina c'est pas parce que nous sommes organisation paysan surtout paysan au niveau international qui fait que et gain de notre système négligé. Alors effectivement nous devons l'être là dans mois juillet en bail CNUCED parce que tout simplement et par rapport à façon et ma OMC par exemple organisation mondiale commerce a essayé faire tout manœuvre pour voir comment cocobé ou bien comment coucouman agriculture familiale paysanne et une bagaille qui fondamental qui a impact direct sur nous c'est par rapport à promotion pour agrobusiness qui a fait. Alors promotion pour agrobusiness ça qui attaque directement petit paysan yo. Alors faut nous préciser le pas de petit paysan ou ces paysans jeune sont bien qui vient petit mouton à terre paysan qui a fait des moitié et pour yo survivre l'on connaît qui est pas agrobusiness et gagner sous la vie paysan yo y a fait promotion pour entreprise multinationale yo avec produit OGM qui a fini avec la terre et nous pensons qu'il y a Campesina toujours pas arrêté bras croisés parce que à plusieurs reprises nous participons dans des sittings dans des mobilisations au niveau international par exemple plusieurs fois participé tout dernière mobilisation nous fait c'était la Suisse en 2022, en face OMC, le ça, c'était septembre 2022, nous t'es réunis en Suisse pour nous dire OMC dégage, OMC halte là, parce que projet OMC gagné, hein? Projet ça, c'est un projet contre agriculture familiale paysan, contre paysan. Donc par rapport à aspect géopolitique mondial qui gagne, hein? Par rapport à conséquences politiques étrangères, ça gagne sous la vigne. Et puis, via Campesina a estimé que l'y est important pour nous démobiliser, pour nous voir l'EPSA et pétition ça va être CNUCED pour nous dire que il y a une nécessité pour adopter l'autre solution qui pour faire promotion pour souveraineté alimentaire, qui pour faire promotion pour la justice sociale dans le monde. Là. Donc, c'était ça, principal intérêt dans la question pétition de voyant, c'était ça.
Moi, c'était une occasion 60e anniversaire CENUSED, Organisation Nations Unies. Et dans l'être là, via Campesina Dil, l'orientation li prend, li pas bon, parce que l'œil tape créé, c'était surtout pour aider pays, ça aurait les pays dans le sud, qui m'ont développé, pour devenir un grand monde tête, yo, dans la question de la manger, pour devenir tout gain plus justice sociale, la caillou, et puis pour commerce là, pas de partie en seul bord, commerce international là, c'est pas de bénéfice. Il y a deux, trois gros entreprises ou bien gros pays qui défendent l'intérêt, mais pour tout le monde, t'es bénéficié. Nous dit, nous un petit peu critiqué l'orientation, c'est nous cette branche. Au lieu que l'y tourne une organisation qui a encouragé plus solidarité et entre pays, nous a fait commerce, spécialement dans la question et production la manger, et production manger, nous dit, eh bien, l'y prend l'autre orientation nette qui renforçait tout système colonial qui te gagne longtemps. Oui, effectivement, c'était ça. Et nous pensons, par revirement, tout par rapport à position pays dans le studio, ou bien pour le gouvernement dans le studio, qu'on prend, qu'on adopte longtemps pour être capable de sécuriser la vie à bien la population. Et avec la promotion que nous avons fait sous l'influence de l'UNICEF, qui était considéré autrefois comme un espace qui te doit aider les gens. Mais dans le moment, par rapport à la façon que tu travailles, dans l'intérêt libre-échange, parce que y a un schéma que tu essaies d'adopter sur le marché international, là, c'est promotion pour le néolibéralisme. Côté que dans la promotion, ça, y a une et institution ou bien entreprise qui est intéressant pour yo, c'est entreprise multinationale yo. Et bon là ça y pas nous, si on prend exemple tangible, exemple palpable par rapport à des décisions qui prend au niveau international et qui force gouvernement local dépendamment de dans quel pays que ou il affecte directement, si on prend dernière décision ex-président pays entreprend pour te bailler 1600 hectares de terre à un bourgeois qui est lundi à peine qui bailler 1600 hectares de terre pour te planter stevia. Donc comment ça comprendre dans un pays si paysan laisse ça n'a pas les spécifiques de terre sofa solidarité femme haïtienne et gain l'autre paysan tout MPNKP qui vient dans qui vont passer dans terre Saint-Michel de la Talaye. Un président en pays décide en bas pression et un bourgeois et bourgeois ça même gagner affiliation avec entreprise multinationale pour vendre stevia donc qui intérêt pour Coca-Cola qui intérêt justement un paysan gagner stevia et stevia c'est un produit pour faire Coca-Cola qui intérêt gagner dans Coca-Cola qui intérêt alors que on mettait béton bien alors que le principal objectif là c'est prendre paysan pour soit vous mettez béton, là vous mettez béton sous lui, c'est pour faire zone franche industrielle, c'est pour faire zone franche touristique. Et si on prend exemple dans le Nord-Est, exemple vivant, toujours regarder ça qui passe dans le Nord-Est, parc industriel Caracol, et Côte de Vie, et gagner votre projet, un gros business qui a gagné pour implémenter dans le Nord-Est là toujours. Donc ce c'est pour nous dire que la décision ça reprend, nous qui affecte directement ces petits paysans qui. Dans le pays, et côté décision, ça reprend, qui pas un avantage. Nous avons deux exemples là. Et Stevia, effectivement, c'est Coca-Cola, Stevia fait. Donc, et nous connaissons qui ça Coca-Cola voulait dire pour la santé monde, pour la vie monde. C'est poison. C'est poison lent. C'est poison douce. On boit Coca-Cola, Coca-Cola, vous boit Coca-Cola. Et puis, on connaît qui conséquence ça bien, puis devant. Donc, c'est par rapport à intérêt pour la vie monde, pour la vie population, pour la santé monde d'abord. Via Campesina a toujours insisté pour dire halte là par rapport à l'oligarchie et la grande puissance qui a imposé une série de lois pour entreprises multinationales. Coucou, mon pays. C'est ça l'objectif là. Donc, c'est pour ça que nous voyons l'aide à la CENUSED dans l'occasion 60 ans. Et nous avons suivi Alter Radio, émission pour demain Kabel, et c'est avec Islanda. Qui c'est un membre, un leader et femme, jeune paysanne, dans tête collée de paysans haïtiens, n'a pas les là. Et Islanda a l'autre chapeau tout.
N'a pas continué à le concert avec Islanda. Pour demain, Kabel. Pour demain, Kabel. Pour demain, Kabel. Un univers radiophonique en podcast. Alter Radio. Retrouvez quotidiennement les principaux journaux, magazines et rubriques d'Alter Radio sur Mixcloud, Zeno.fm, TuneIn, Apple, Spotify et Google Podcasts. Alter Radio. Alter Radio. Une autre idée de la radio. Pour demain, Kabel, avec Islanda. Islanda reprend encore si tu as pour moi l'autre chose difficile, moi, Michel. Et... Alors, c'est Adiel, Signatia, et Adiel. Islanda Micheline. Ah, ok, Islanda Micheline, Adiel. Merci. Adiel. Ok. Ça, d'accord, Islanda. Et nous insistons en pile sur question et souveraineté alimentaire. Là, ça veut dire, genre, commerce international, là, fait qu'on y a là. Nous a fait manger, li pas encourager et moun consommer son produit la caillou, li pas encourager ça nourrir les souveraineté alimentaire. Effectivement, nous-mêmes bataille n'a mené dans via campesina, c'est bataille pour souveraineté alimentaire. En gros, mon nous ka dit bataille pour un pays grand moun tetay. Grand moun dans la manjaille, grand moun dans tout ça qui dit pour avec grand monité. Comme nous sommes organisation paysan, nous avons bataille pour Haïti ou bien pour tout pays grand monde nous a fait la mangeaille sans aucune dépendance alimentaire par rapport à jeunes ou à Haïti. Et là, on a parlé de souveraineté alimentaire, question de la mangeaille. Qui c'est un outil, une promotion à faire qui doit bailler le peuple au pouvoir pour nous batailler contre grand goût, pour nous batailler contre malnutrition? Pour nous batailler contre ça qu'a fait l'environnement, contre le changement climatique. Alors, il parlait de changement climatique parce que le climat paraît être changé pour contribuer. Désordre climatique, il y a qui dit désordre. Désordre climatique, dérèglement climatique, social et économique. Yo. Donc, souveraineté alimentaire, question droit pour un pays grand monde dans affaire la mangeaille, l'important pour ces communautés. Producteurs, petits paysans, consommateurs, c'est eux-mêmes qui doivent définir modèle politique alimentaire agricole. Ce n'est pas imposé pour imposer qui ça doit manger, comment on doit manger, pour qui ça doit manger. Bien entendu, l'ENAP dit que ce n'est pas imposé pour imposer. Nous ne pouvons pas venir l'État, responsabilité de l'État qui doit dire, mais qui ça, citoyen d'un pays, il doit faire, mais ce n'est pas l'autre institution au niveau international qui pourra imposer normes. C'est ça que nous dit et pas imposer pour imposer qui ça pour manger. L'important. Non, l'être là nous dit longtemps et pays ont qu'on fait effort par exemple si on voulait que dans pays dans la caillou gain telle qualité produit pour population manger, yo qu'on appuyer et production manger ça, gain droit bail par exemple agriculteur yon coûte mais là dans yo qu'on et soutenir prio pour prix à pas descendre trop bas pour paysans qui produisent pas décourager mais avec une série de programmes Banque mondiale et Fonds monétaire international FMI tout bagage ça yo tombé net te qu'on gagne tout en moun yo en Haïti qu'on a dit longtemps te gagne magasin l'état ça veut dire l'état te qu'on même connaît li gon responsabilité par rapport à population gagne de stock manger pour li serrer pour le kembe pour si jamais gon problème tout bagage ça yo dit avec programme international pour gens faire commerce à faire manger tout bagage ça yo jeté net yo pas tenu compte de du tout dans pays yo avec il est et c'est toute agence internationale ça yo Fonds monétaire international Banque mondiale OMC qui fait pression pour ba ça pas exister encore. Effectivement et l'autre âge nous ca fait tout c'est parce que notre mandat pour libérer principal bagaille là c'est que OMC doit libérer agriculture familiale paysan pour nous sortir en bas dominance entreprise transnationale là. C'est ça qui fondamental parce que et n'a pas demandé faut que éliminer traité libre échange qui gagne
Parce qu'à travers traité, ça, c'est lui-même qui pouvait, ou même qui provoquait le grand goût. C'est lui-même qui peut mettre nos paniers droit et à l'alimentation comme droit fondamental. C'est lui-même qui a défini, je ne te dis, comment pour nous produire, qui ça pour nous faire. Alors, c'est lui-même qui a voyé produit OGM qui pour détruire la terre avec ces pesticides chimiques. Donc, l'un des gains, nous, c'est pesticides naturels, nous, c'est bon engrais. Hein? Alors, il a imposé de produits OGM qui pour. Nous connaissons première année, on a produit en abondance, ça veut produire OGM. Mais deuxième, troisième, quatrième année, comme nous avons dans l'émission, qui mieux placé, qui a expliqué nous qui vient à ce ça, nous connaissons qui ça veut dire que c'est poison produit OGM. Donc c'est ça qui est fondamental pour nous et nous continuer à faire un cri d'alarme par rapport à modèles et gens qui sont venus imposer à travers OMC, tout ça a imposé nous. Loi et loi sous libre échange qui gagne dans marché à pour non intérêt oligarchie m'a pas d'oligarchie grande puissance dans non compte et bloc sud là. Donc c'est ça qui fondamental nous comme organisation paysanne nous penser et n'a continuer faire un gros cri d'alarme et par rapport à décision qui prend côté que décision ça au pas là pour répondre à crise sociale écologique qui a pas fait que planète Terre. Nous passons des décisions fondamentales. Et à chaque fois, nous avons des espaces comme ça pour nous continuer à faire nous comprendre qui nécessité qui gagne. Par exemple, il y a un autre outil que nous gagnons qui est fondamental. Parce que qui est fondamental, il faut parler dans l'émission. Ça, malheureusement, bah, et outils ça pas trop parler. Et Madame Colette, ces outils de déclaration de droit paysan. Ah oui. Déclaration de droit paysan. Une belle déclaration. Une belle déclaration. Et nous gagnons une déclaration en créole. Si, malheureusement, nous ne pouvons pas distribuer dans toute base, tout côté, mais nous avons une déclaration qui est disponible et nous pensons que si une institution ou organisation qui a souhaité une déclaration, nous avons une malheureusement en français, et ça nous gagne en français. Mais nous traduisons en créole, mais il faut qu'on livre créole. Okay? Et mais Islanda n'a pas l'autre rendez-vous, là, ça n'est capable de parler. N'a pas le faire émission même sous déclaration ça. Pour en pile l'autre monde capable de connaître. Nous remercions de ce que vous te répondez à l'invitation, nous, et nous encourageons comme jeunes femmes et leaders paysannes et qui ont une grosse responsabilité dans la vie à Campesina pour nous continuer le travail là. Pour Demé Kabel, toujours été ouvert pour nous. Merci en pile. Merci en pile, c'est un plaisir de passer dans l'émission pour Demé Kabel et Demé Kabel, vrai en réalité, avec support, monde qui conscient. Avec support organisation yo, avec support émission radio télévision qui pour ban nous booster pour moun yo comprendre effectivement Haïti ka bel demain a bel. Merci à tous, un plaisir, à la prochaine. À la prochaine, bye bye. Bye. Voix moun nou t'ap koute là qui t'ap causé avec nous c'est Islanda Micheline Aduel, membre tête collectif paysan haïtien, yon leader jeune femme nan et tête collé et puis dans zone Amérique latine. Amérique la toute, Amérique la donne, Caraïbe la toute. Donc, son leader femme haïtienne qui émergeait dans toute zone. Non? Nous félicitons lui et nous remercions pour participation dans l'émission. Moi. Oui. Pour demain, qu'à belle. Fuck demain, belle. Alter Radio. Eh bien, n'a prêté là, oui, parce que nous, ouais, question commerce là. J'ai commerce là fait sous la terre avec question agriculture. Ça me fait là, il y a petit manger capacité nous pour nous produire manger, pour nous prendre contrôle vente nous. Et c'est pour ça, une organisation, tant que via Campesina, qui est une organisation dans toute zone Amérique latine, dans Caraïbes là et dans le monde, ils ont dit pas d'accord et ils écrit CNUSED qui c'est. Agence Nations Unies pour question commerce avec un développement pour dire pendant 60 l'année, eh bien, changer orientation n'est pas bon. Merci nous toutes qui t'avons écouté. Nous casser rendez-vous pour l'autre émission. Bye bye tout le monde, à la prochaine. Pour demain, qu'à belle. Oui, fuck demain, belle. Pour demain, qu'à belle, c'est une émission sous développement durable dans Alter Radio. Ah, développement durable. Ça veut dire, nous allons parler d'une série de questions tant coup. Environnement, agriculture, agroécologie, changement climatique, et puis, façon monde de vivre. Exactement.
c'est pas d'aide, mais nommé à groupe média alternatif qui pote émission ça pour nous. Pour demain Kabel, c'est depuis jeudi à oui pour nous travailler pour lui. Émission pour demain Kabel, passé chaque vendredi matin à 7h sur antenne Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Alter Radio. En Haïti, nous parlons pour communiquer. Le pouvoir de la parole. C'est qu'on aime pour créer histoire. Ou pas maîtriser ce que tu as à le faire. Moi, quoi, qu'on réflexion nécessaire. Si ça nous place au directeur, ça vous fait ça. Il est capable de prendre leçon. Aujourd'hui, c'est professeur de Chamieto. Le monde a bougé, tout le monde continue à parler. Non, ben la sainte, ben on tire l'argent. Faut qu'on dépisse ça, qu'il fait des pouvoirs, faut qu'on prise en charge. On nouveau vivre ensemble. Au niveau organisation paysanne, on a fait pression. Moi, c'est celle qui a aimé qui mis sous pied, pardon. Le régime côté nous sentiment libre. La liberté d'expression assumée. Pendant la société a changé, radio était un gros moyen d'information. Partage l'idée à distraction. 106.1 FM Alter Radio. Pas rater yon point lien dans programme Alter Radio. Koute Alter Radio sur internet, connecté sur TuneIn ak Zeno. Koute, koute. Abonné. Partager. Haïti dans les médias. Merci d'écouter Alter Radio sur le 106.1 FM et sur le www.alterradio.org. Voici les différents titres dans les médias. Les forces de l'ordre reçoivent de nouveaux matériels. États-Unis envisageraient de transformer la MMSS en mission de paix de l'ONU. Famila Valas se prononce subtilement contre les conseillers présidents accusés de corruption. Le premier ministre en colère blâme et menace le ministre de la Santé. Et puis plusieurs personnes portées disparues dans le naufrage d'un bateau près de la Gonâve. Le premier ministre Gary Conille a reçu mercredi à l'aéroport Toussaint l'ouverture de nouveaux matériels destinés aux forces de l'ordre engagées dans la lutte contre les gangs en Haïti, rapporte vanbefinfo.com. Ces nouveaux matériels comprennent notamment des armes à feu et d'autres équipements qui ont été livrés aux forces de l'ordre qui tentent de récupérer les territoires perdus occupés par les malfrats. Le premier ministre Gary Conille a renouvelé son engagement de continuer à travailler au renforcement des capacités opérationnelles des forces armées d'Haïti et de la PNH. Rappelons que les matériels du Centre national d'équipement CNE seront livrés aux forces armées d'Haïti, FADH, qui doivent travailler en étroite collaboration avec la police nationale d'Haïti. PNH pour contrecarrer les bandits. L'administration Biden envisagerait de transformer l'actuelle mission multinationale de soutien à la sécurité dirigée par le Kenya en une opération traditionnelle de maintien de la paix des Nations Unies, selon un article du Miami Herald publié mercredi 4 septembre, informe le news.com. D'après le Miami Herald, le département d'État confronté à un manque de fonds et d'équipement aurait informé les législateurs américains de ses intentions. Un fonctionnaire du Conseil national de sécurité de la Maison-Blanche a confirmé à McClatchy et au Herald que des plans pour modifier la nature de la force seraient à l'étude, une information également corroborée par une troisième source indique l'article. En coordination avec leurs partenaires, les États-Unis étudient les possibilités de renforcer la mission multinationale de soutien à la sécurité et de s'assurer que l'aide apportée aux Haïtiens soit maintenue à long terme, ouvrant ainsi la voie à des élections libres et équitables, a déclaré un responsable de la sécurité nationale cité par le Miami Herald. Dans un communiqué de presse paru le mercredi 4 septembre, le parti politique Famila Valas s'est prononcé subtilement contre trois conseillers présidentiels accusés de corruption dans l'affaire BNC. Le parti de Jean-Bertrand Aristide invite la gouvernance transitoire à prendre des décisions sérieuses et poser des actions fortes tout en luttant contre la corruption d'après GazetteHaïti.com. Famila Valas détient son représentant au sein du conseil présidentiel de transition en la personne de Leslie Voltaire. Il fait partie des quatre conseillers présidentiels n'ayant pas été éclaboussés dans l'affaire de la Banque nationale de crédit. L'affaire BNC impliquant trois conseillers présidentiels ont été accusés par le président du conseil d'administration d'alors, Raoul Pierre-Louis. Ce dernier a déclaré que ses conseillers présidentiels ont exigé qu'il leur verse 100 millions de goudes pour le maintenir en poste. Des allégations rejetées par les trois conseillers présidents en question.
Le Premier ministre Gary Conille a envoyé une lettre de blâme au ministre de la Santé publique Georges Fils-Brignol, qui a procédé à des recrutements et des promotions alors que le chef du gouvernement avait gelé le processus de nomination dans l'administration publique selon haitilibre.com. Réagissant vivement, Conille a menacé le ministre Brignol de poursuites administratives et pénales. Enfin, au moins 14 personnes sont portées disparues suite au naufrage d'une petite embarcation dans l'après-midi du mardi 3 septembre 2024 au large de l'Islette et près de la Gonâve, selon le service.